Ok, Anébécha Tovo Mutzlachat. On commence Irouvin, donc à la première page de Irouvin. Petit récapitulatif de quelques définitions de Réchouyot que nous connaissons. Réchout Ayachid, c'est toujours un minimum de Arba Tfachim sur Arba Tfachim sur une hauteur de 10 Tfachim. Donc une surface de 4 sur 4 Tfachim avec des murailles de haut de 10 Tfachim, c'est un Réchout Ayachid. Réchout Arabim, c'est, on l'a déjà vu dans le Shabbat, il y a deux définitions. Une définition que Rachel nous avait ramenée, c'est que 600 000 personnes puissent marcher dans cette rue-là. Une deuxième définition, c'est qu'il y a deux agalotes qui peuvent passer l'une en face de l'autre, c'est-à-dire 16 amotes de large. Si c'est une rue de 16 amotes de large, alors à ce moment-là, ça s'appelle Réchout Arabim, donc deux définitions de Réchout Arabim. Ce qui n'est ni Réchout Ayachid ni Réchout Arabim s'appelle Carmélite, et dans le dîne de Carmélite, rend le dîne de Mavoï. Mavoï veut dire une petite ruelle, qui est moins de, automatiquement, 16 tfachim, de 8 mètres. Ce mavoï-là, on a vu qu'il y a deux types de mavoï. On a un mavoï qui s'appelle mavoï mefoulash, ça veut dire qu'il est ouvert des deux côtés, et on a un mavoï qui s'appelle mavoï satoum, ça veut dire un des deux côtés, il est fermé. N'oublions pas que Mideoraita, un mavoï, d'après un mandama dans la Gemara, qu'on a vu, qu'à partir du moment où il est fermé de trois côtés, il s'appelle Réchout Ayachid. Un krachamim, ils ont imposé que dans le quatrième côté, on fait un équerre. Et le équerre, c'était ou un léchi. Sur le côté, on met un léchi. On a vu deux déhotes, un léchi Kora ou deux léchi avec Rabbi Eliezer. On a vu ça dans le Shabbat. Ou un seul léchi, ça suffit. Ou une Kora, une poutre qui va d'un mur à l'autre. Dès qu'on a fait ce équerre-là, on a le droit de porter dans le Mavoï même mi des Rabbanan. D'accord ? Et comme cette Kora qu'on met, c'est pour nous rappeler. Faire attention, on est dans Shabbat et tout. Alors il faudrait que c'est une Kora qui soit visible. Comme il faut que ce soit une Kora qui soit visible, alors on peut commencer maintenant la Mishnah. Mavoï shu gavo alem malam yesri mama. Si la Kora que j'ai mis d'un bout à l'autre de la rue, elle est plus haute que 20 amot, yemaet, il suffit de la rabaisser pour que le mavoï soit caché. Parce qu'on part du principe que plus que 20 amot, nos yeux ne sont pas capables de voir. Donc on ne s'en apercevra pas de cette akana des rabbanan de mettre la Kora là-haut. Par conséquent, il suffit de la rabaisser. Rabbi Yehuda Omer et notre sarir. C'est pas grave, tu n'en as pas besoin, mais c'est aussi valable même si c'est plus haut que 20 amot. C'est la même machloquette, on la retrouvera dans Souka aussi, Bezrat Hashem, pour une Souka qui est plus haute de 20 amot. Maintenant, et notre sarir. D'après Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin. D'où on apprend ça? On verra dans la Gemara, on apprend ça des psukim en vérité. Ve'arachav me'eser amot. Si maintenant l'ouverture, elle est large de plus que 10 amot, yema'et, tu dois retrécir l'ouverture. Ça veut dire qu'une ouverture que plus que 10 amot, plus que 5 mètres, c'est comme une pirtsa. C'est comme une amure défoncée. Et donc à ce moment-là, même a priori, le lechi ou la kora ne sert pas à grand-chose. Donc il faut que le mavoï soit plus petit que eser amot. Pour considérer l'endroit fermé. Si c'est plus que la Saramote, plus que 5 mètres de large, il faut mettre quelque chose pour essayer de fermer cet endroit-là. Il faut que ce soit plus petit que 5 amotes. Mais il mèche l'autre Sourate à Pétard. Si par contre on fait une Sourate à Pétard qu'on fait dans tout, on verra souvent ça dans les Rouvines, qui est très simple. Un poteau d'un côté, un poteau de l'autre, et une poutre ou un fil même qui passe d'un bout à l'autre. Ça fait une forme de linteau de maison. Dès que ça fait l'intour de maison, ça s'appelle Satsura Tapetar. Donc une mezouza, deuxième mezouza et un mur, enfin un fil, quelque chose qui se trouve en haut de la porte. Même qu'il est plus grand que 10 amot, c'est aussi valable. On apprendra les dynimes de Tsura Tapetar, combien on peut de Tsura Tapetar, est-ce que le fil peut bouger, quel est le beten que doit avoir le fil. Mais ça, on apprendra plus tard dans la Gemara. C'est l'oazman maintenant. La seule chidouche, il est. Qu'un tsurat à pétach, c'est considéré en la chalemosem sinai comme quelque chose de fermé. Donc deux poteaux et un fil au-dessus, c'est considéré comme quelque chose de fermé. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, cette même Mishnah, cette même idée de la Mishnah, on la retrouve dans Souka, au niveau de Esri Mama. Donc la Gemara demande la chose suivante. Nanatam, voici, on a pris dans la Mishnah de Souka. Souka, shikvo le malam Esri Mama. Pesula, plus haut que 20 amot, elle est psula. Le man idou dot echem, et ainsi de suite. Mais Rabbi Yehuda marchir, et là-bas dans plus que Esri Mama, Rabbi Yehuda y permet. Et la Gemara demande, Maïshena. Bon, premièrement, c'est la même machloquette, c'est pas ça qui nous dérange.
Ce qui nous dérange, c'est ce qui a marqué après dans la Mishnah. Dans notre Mishnah, on nous a donné une solution. Alors que dans la Mishnah de Souka, on nous dit que c'est pas soul sans nous donner une solution. Bien que c'est exactement la même solution, c'est de rabaisser le toit en question. Alors, la Gemara demande, Maïshena Gabe Souka, pourquoi au sujet de la Souka, Tane Pesula? Il y a marqué uniquement le mot Pesula, il n'y a pas marqué comment on répare. On t'a dit qu'une Souka, les Malamesri Mama, d'après Tanakama, c'est pas soul. Les Gabe Mavoy, Tane Takanta. Alors que dans le dîme de Mavoy qu'on a chez nous, on voit qu'on nous donne une solution au problème. Et on nous dit, rabaisse-le. Alors pourquoi on n'a pas dit la même chose en Souka? Rabaisse-la. Rabaisse le toit et la Souka l'Ekshera. Pourquoi on a fait cette différence puisqu'on est dans le même marque-loquette? Réponse, Souka de Oraita, Tane Pesula. Mavoy de Rabbanan, Tane Takanta. Ceux qui mis de Oraita, on dit le mot Pesul. Et ceux qui mis de Rabbanan, alors on te dit comment essayer de réparer mis de Rabbanan. Mais en vérité, c'est exactement le même type de réparation. Veiba et Tema, et si tu veux, je peux essayer de te dire, Deoraita namitane takanta, que si c'est Deoraita, normalement je devrais même te donner la solution. Et là, pourquoi dans Souka je ne t'ai pas donné la solution? Et la Souka denefishim mile, pasik vetane psula. Comme dans Souka, il y a plusieurs dinim qui doivent rentrer en ligne de compte. Il y a un problème de trois tfanot, il y a un problème de atase belomina asou. Il y a un problème de Gidoule Karka. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup, plusieurs dinim dans Souka, hein, alors on a préféré te dire ici uniquement les malam esrimam pasoul. Bien que la takana est exactement la même, il faut rabaisser le skar. Mais pour ne pas rentrer dans toutes les dinim qu'il y a dans Souka, c'est pour ça qu'on a utilisé un terme général qui s'appelle dire psoula. Metane psoula. Mavoy de l'on affiche mille. Dans Mavoy où a priori il n'y a pas beaucoup de dinim. Mavoy c'est très simple, hein, c'est trois murs. On met la poutre et puis le mavo, il devient cachère pour pouvoir porter à l'intérieur. Donc, de l'on et fichmile, qu'il n'a pas beaucoup de dinim concernant le mavo, tane takanta, c'est pour ça qu'on nous a enseigné la takana, comment essayer de réparer un mavo. Mais en vérité, la réparation, elle est la même pour souka. Ok. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Maintenant, cette machloquette-là, les malam esrim amar, kacher pasoul. Alors, Rav Yehuda, au nom de Rav, disent que chachamim, Chachamim lo limdua elam mipitro shel echal. Les Chachamim ils ont appris ça du din de pitro shel echal. Les Rabbi Yehuda lo limdua elam mipitro shel ulam. Les Rabbi Yehuda ils ont appris ça de pétard de ulam. C'est-à-dire que un petit rappel rapide comment est construit le Beit HaMikdash. Rien que pour que on comprenne après toute la suite des enseignements qu'on a. Si je prends le Beit HaMikdash de Hordus, là que le dessin n'est pas très joli, d'accord? Dans le Beit HaMikdash de Hordus, il y a, premièrement, Kodesh HaKodeshim, il y a le Hechal, il y a ici le Ulam. C'est-à-dire, donc il y a trois éléments ici dans le Beit HaMikdash. C'est-à-dire, on a Kodesh HaKodeshim, le Hechal et le Ulam. Dans le Hechal, il y a une porte, et dans le Ulam, il y a une porte. Ok? Et la porte du Hechal, on va voir qu'elle est jusqu'à 20 mètres. La porte du Oulam, elle est jusqu'à 40 amot de hauteur. C'est là? Donc, retenez qu'il y a deux types de portes. On a une porte ici, qui est celle du Oulam. On a la porte du Echal. Le Echal, il est plus intérieur que le Oulam. C'est là? Maintenant, quand je dis qu'on a une porte dans le Oulam, ce n'est pas une porte fermée. C'est une sourate à pétard. Par contre, dans le Echal, c'est une porte fermée. C'est-à-dire qui est fermée, qui doit s'ouvrir, qui se ferme. Donc, l'oulam, c'est une forme de porte. Ok, donc retenez ces deux choses-là, parce que justement. Sans rentrer dans la ligne de Mavoy, on va plus rentrer dans la ligne de définition de qu'est-ce qui s'appelle pétard. Qu'est-ce qui s'appelle pétard? Pour l'instant, c'est pas trop. Est-ce que c'est Mavoy, pas Mavoy? C'est qu'est-ce qui s'appelle pétard? C'est ça? Alors, donc la Gemara, elle tenait à nous dire comme ça. Je reprends donc la phrase. Amar, tane, Amar Rav Chachamim lo lamdua ela mipitro shel echal. D'où ils ont appris que plus que 20 amot c'est pas soul, à cause qu'ils apprennent le din de pétard de pitro shel echal. Ve Rabbi Yehuda lo lamdua ela mipitro shel ulam. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial? Dites nan. Et il y a marqué dans la Mishnah, pitro shel echal gov'o 20 amot. Sa hauteur elle est de 20 amot. Ve rochvo 10 amot et sa largeur de 10 amot. Donc ça correspond bien aux mesures de notre Mishnah. Pas plus que 10 amot et pas plus haut que 20 amot. Vechel Oulam, par contre, la grandeur, l'ouverture du Oulam, Gov'o Arba Imama, 40 amot, donc 20 mètres de hauteur quand même,
Et sa largeur, 20 amot. Donc, a priori, si la largeur est 20 amot, on verra plus tard qu'on pourrait faire une ouverture de plus de 20 amot aussi. Comment ça se fait qu'on limite l'ouverture à 10 amot et pas plus? Bon, la Gemara, elle va traiter le problème. En tout cas, il y a deux types de pétards dans le Beit HaMikdash. Vous voyez, il y en a un troisième. Mais pour la Gemara, elle ne l'a pas abordé. C'est l'entrée du Beit HaMikdash lui-même. D'accord? C'est aussi un pétard. Beshneem, Mikra Echad, Darshu. Et les deux apprennent Kaviachol du même pasouk. Ça veut dire aussi bien Rabbi Yehuda qu'aussi bien Chachamim. Les deux, ils apprennent le din du même pasouk. Comment ça? C'est marqué. Beshachatu, Petach, Ohel, Moed. Ils feront la shrita des korbanot devant l'ouverture, Petach, ouverture, d'Ohel Moed. C'est vrai qu'on parle du Mishkan. Mais on appelle ça Ohel Moed. D'accord? Et donc, des rabbanan, ça vrai, kdushat echad echal echoud, ve kdushat ulam lechoud. Quand on dit petach ohel moed, on fait ici beaucoup plus allusion à kaviachol, ce qui est le plus saint, qui s'appelle le echal. Puisque là-bas, c'est la vraie ouverture, sont les vraies portes. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qui s'appelle petach? C'est le petach ha echal. Et comme le petach ha echal, il est jusqu'à une hauteur de 20, donc à ce moment-là, Inachenami, et nous on a le droit de faire aussi un Maboy jusqu'à une hauteur de 20. Je vous ferai remarquer que si on fait cette allusion-là par rapport à Pétard, c'est pas un problème de voir le haut. C'est pas une jusqu'à combien je vois le haut. Bah, qu'est-ce qui s'appelle un din de Pétard? La Mitziout de Pétard, qu'est-ce que c'est, hein? Avec dans Bekdushat ou l'Amlechut, c'est deux Kdushot différentes. Maintenant, mais qui ktif Pétard ou El Moed, Aechal ktif. Et donc, par conséquent, puisque ce sont deux Kdushot différentes, quand on t'a dit Petach ou El Moed, on est mitkaven à Echal. Et le Echal, on a dit une hauteur pas plus que 20. Donc, une définition de Petach ne peut pas dépasser plus que 20. Les Rabbi Yehuda Savar, Echal Haoulam, Echal Veaoulam, Kdusha Achat. Par contre, pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence au niveau de la Kdusha entre le Oulam et le Echal. Et s'il n'y a pas de différence, comme marqué Petach ou El Moed, ça fait allusion aussi au Petach du Oulam. Bien que je répète que Petach ou El Moed, ça part du Mishkan, hein. Dans le Mishkan, il n'y avait pas un Oulam et un Echal. Il n'y avait rien qu'un Ohel Moed. Néanmoins, la Gemara va déduire qu'on peut aussi faire une corrélation de Mishkan au din de Echal et de Oulam. Ça, c'est la Gemara va dire plus tard. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on voit? Que le mot Petach Ohel Moed pour Rabbi Yehuda, Ohel Moed veut dire une Gdusha. Or, comme pour lui, pour l'instant, le Oulam et le Echal a la même Gdusha, donc le Petach, c'est le même Petach, pas seulement le Petach, mais les deux s'appellent Petach. Comme les deux s'appellent pétard, donc on voit que le pétard de Oulam, qui est haut de 40 amot, est aussi valable pour être appelé un pétard. Donc s'il est aussi valable pour être appelé un pétard, je peux aussi faire un pétard comme ça pour le Mavoy. De 40 amot, ça ne doit pas poser de problème. Ah, vechiktiv pétard ou el moed. Quand il y a marqué pétard ou el moed, il y a marqué un pétard ou el moed, parce que dans le Mishkan, il y en a un seul, néanmoins. Mais cette extrapolation qu'on fait pour le Beit HaMikdash, pétard ou el moed, atarvayuhu, dirtiv. Ça se rapporte sous les deux ptachim. Comme ça s'apporte sous les deux ptachim, donc ça veut dire que le pétach roulam s'appelle pétach, et donc ça voudrait dire qu'automatiquement, même plus que 20 amot, c'est aussi un pétach et c'est aussi valable. Ça, c'est la première façon de pouvoir expliquer Rabbi Yehuda. Veiba etema, si tu veux, on peut donner une autre explication. Iba etema, le Rabbi Yehuda, nami kdushat ulam lechud kdushat echa lechud. Non, il faut faire une différence de kdusha entre les deux. Alors, comment c'est possible que tu dis Petach ou El Moed. Ve'acha inu ta'ama de Rabbi Yehuda. Et là, chez nous, pourquoi Kaviachol, il nous dit plus que 20 amot, c'est quand même valable. Dirtiv, parce que c'est marqué El Petach Ulam Habayit. C'est le Petach Ulam Habayit, c'est marqué dans Yecheskel. Le Nabi Yecheskel, qui part du troisième Beit HaMikdash, il a marqué la main El Petach Ulam Habayit. Donc tu vois que le Ulam peut s'appeler aussi Petach. Si le Oulam peut s'appeler aussi Pétard, c'est pas qu'on a appris de Pétard Ohel Moed, que là-bas, c'était que si c'était une seule Gdusha, alors j'aurais considéré le Pétard de Oulam comme un Pétard. Et là, ça vient de Yecheskel, qui a marqué Pétard à Oulam. Donc ça veut dire que le Oulam, il a un Shem de Pétard. Et comme le Oulam, il a un Shem de Pétard, alors à ce moment-là, ça peut être Inachenami aussi jusqu'à 40 Amot. Donc, Ve'acha Ainu Ta'ama de Rabbi, il y a le Pétard Oulam Abayit. Rabbanan, qu'est-ce qu'ils m'ont dit avec ce pasouk de Yecheskel? Voici, on est quand même d'accord que dans Yecheskel, on voit que le Oulam peut s'appeler un pétard.
Il y avait katav el petach ulam. S'il y aurait marqué el petach ulam, kedah marta el petach ulam. Acheta dirtiv el petach ulam habait. Si il y a marqué el petach ulam, donc ça veut dire que ulam, il a un petach. Mais comme il y a marqué dans Yechezkel el petach ulam habait, de la maison, donc ça veut dire que la maison, c'est elle qui est importante. Or la maison, elle a un deuxième petach, le petach du Echal. Comme il a un deuxième pétard, ça veut dire que le pétard du Oulam n'est pas considéré comme un pétard, parce qu'on a mis un accent d'Afka sur Oulam Habait. Alors, Vadaï que Yechezkel est parlé du Bet Amigdash, puisqu'il te parlait à ce moment-là du troisième Bet Amigdash. Et Lama, s'il a été obligé de dire le mot Habait, c'est qu'il veut mettre plus l'accent de ce qui s'appelle la maison, qui est le Echal. C'est pour ça que d'après Rabbanan, le pétard à Oulam n'est pas une preuve que ça s'appelle un pétard. C'est bon, ce cas-là? Donc, dans les mots maintenant. Alors, Verabanan, hi avec katav, si ça aurait été marqué, el petach ulam, kede amarta, comme tu as raison, que le ulam s'appelle un petach. Ashta, dirtiv, el petach ulam, habait, il fait qu'il a marqué le mot habait, habait, hapatuach la ulam, la maison qui est ouverte au ulam, qui s'appelle le echal. Et donc, comme c'est la maison qui est pas, qui est ouverte au ulam, qui s'appelle le echal, donc ça veut dire que c'est le pétard du Echal qui nous intéresse, et pas le pétard du Oulam. Et c'est pour ça que d'après Rabbanan, il n'y a pas une preuve de Yechezkel. Donc deux preuves pour Rabbi Yehuda et Rabbanan, ça suffit notre preuve à nous, qui considère que ce sont deux Kdushot, et Veshachatoto el pétard o el moed. Maintenant, la Gemara repose une autre question. Vehaktiv haïba mishkan. Vous vous rappelez que je vous ai dit el pétard o el moed, c'est écrit dans le Mishkan. Et nous, on a amené des preuves du Bet Amigdash. Et comment on a amené des preuves du Bet Amigdash? Parce qu'on a parlé du Petach HaOlam et Petach HaEchal du Bet Amigdash. Et qu'il faut que ça s'appelle un Petach. Pourquoi on sait que ça s'appelle un Petach? À cause d'un passou qui est marqué dans le Mishkan, El Petach ou El Moed. Alors comment tu peux faire une extrapolation de Mishkan au Bet Amigdash? A priori, c'est deux bâtiments différents. Parce que dans le Ohel Moed, il y avait un seul Petach. Donc on n'avait pas deux. Dans le Bet Amigdash, on avait Oulam et Echal. Dans le Ohel Moed, dans le Mishkan, il n'y en avait qu'un seul. Alors comment tu peux extrapoler deux Mishkan au Bet Amigdash? Ça c'est la question de la Gemara et le monde ici. Veha ktiv, veha kiktiv, haïba Mishkan ktiv. Alors comment c'est possible que tu extrapoles? Réponse pashut. Ashkechan, Mishkan, déikre Mikdash, ou Mikdash, déikre Mishkan. Il y a des psukim qu'on va voir qui peut faire une corrélation entre Mishkan et Mikdash. Comme il y a des psukim qui font une corrélation, donc si dans le Mishkan on dit Petach Ohel Moed, alors on peut dire aussi Petach HaMikdash. Ça rentre dans la même catégorie. On peut dire Petach HaMikdash. Très bien. Ok. Si c'est comme ça, voyons les psukim. Dehi lo temachi, parce que si tu ne vas pas dire comme ça que le Mishkan et le Mikdash est la même chose, lo temachi ha de amar Rabbi Yehuda amar Shmuel. Voici pourtant le din qu'a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Un din à côté qui dit quoi? Shlamim sheshachatan kodem ptichad latot haechal, haechal, donc des shlamim, korban qu'on peut amener, korban pesar, ça s'appelle shlamim, d'accord? Tous les korban shlamim qu'on peut amener. Si on a été shochet otam avant qu'on ait ouvert les portes du haechal, c'est psulim. Et c'est le korban, il est pasul. Et pourquoi? Parce que c'est marqué veshachatu petach oel moed, et c'est un pasul qu'on a dit dans Mishkan. Et de ce din de Mishkan, on va apprendre pour Bet Mikdash. Donc ça veut dire que le Mishkan et le Bet Mikdash, c'est exactement le même din, puisqu'on voit qu'on apprend de Mishkan au Bet Mikdash. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'un Korban Shlamim, si on a été Shochet Oto avant qu'on ouvre les portes du Echal, le Korban Shlamim, il est Pasoul. Et comment on apprend ça? Du Pasouk de El Petach Oel Beshachat Oto Beshachat. Bishachato petach ou el moed, petach ou el moed, bizman sheptuchim, velo bizman shehem neulim. Quand ils sont ouverts et pas quand ils sont fermés. Et ça, on l'apprend du Mishkan pour le Bet Amigdash. Donc, déjà, de ce din-là, on voit qu'il y a une corrélation entre le Mishkan et le Bet Amigdash. Donc, s'il y a une corrélation, on peut continuer cette corrélation aussi. Donc, qu'est-ce qui s'appelle petach? Bien que el petach ou el moed, c'est marqué dans le el moed. Et on va extrapoler ça sur le Bet Amigdash. La Gemara demande, Veha kiktiv haïba mishkan ktiv. Et voici pourtant, Veshachatu petach oel moed, c'est écrit dans le din de Mishkan. Et là, de là je vois,
Ashkechnan Migdash d'écrire Mishkan, ou Mishkan d'écrire Migdash. Donc les deux peuvent se interchanger. Au niveau des dinim aussi, ce qui me permet d'utiliser le Petach ou le Moed aussi pour le Bet Amigdash. Alors, Bishlama Migdash d'écrire Mishkan, que tu me dis que le Migdash ressemble au Mishkan, ça puisse marcher, pourquoi, dirtiv, Benatati Mishkani Betocham. Je mettrai mon Mishkan parmi eux. Or, quand il y a marqué Benatati Mishkani Betocham, c'est pour toutes les générations à venir. Donc, ça inclut aussi le Bet Amigdash. Donc, Minastam, le Bet Amigdash, ça peut s'appeler aussi Mishkan. Benatati Mishkani Betocham. Et la Mishkan décrit Migdash Minalan. Mais d'où on sait que le Mishkan est aussi appelé Migdash? Que le Migdash est appelé Mishkan? Parce qu'il y a marqué Meshachanti Betocham, c'est en langage futur. Et ça fait allusion aux générations à venir, donc même à l'époque du Bet Amigdash. Kakadosh Baruch Hu sera un Mishkan parmi nous, donc c'est le Bet Amigdash en question. Mais que le Mishkan, ça s'appelle Migdash, c'est-à-dire à l'envers. Que le Mishkan qu'il y a dans le désert peut s'appeler aussi Migdash. D'où on sait ça? Pour vraiment faire une vraie corrélation des deux dynimes en même temps. Minalan. Ilima, si tu veux me dire, midirti, parce que c'est écrit. Venasu hakeatim nose hamigdash. Et la famille des Kohatim qui portait hamigdash. Et hamigdash, ça fait allusion aussi au kelim du Bet Amigdash. Mais au kelim du Bet Amigdash qui a marqué le mot hamigdash. Veikimu et hamishkan ad boam. Et après, ils devront donc construire le mishkan quand ils arriveront. Donc on voit qu'on a utilisé le mot migdash et mishkan pour les kehatim. Alors peut-être de là-bas, tu veux m'apprendre que le Mishkan peut s'appeler aussi Migdash. Réponse non. Pourquoi? Parce que les Kehatim, qu'est-ce qu'ils portaient eux? Le Aaron Abrit et les Kelim, le Menorah, le Shulchan, les Kelim qui sont Chashuvim, Sheshbahem Kedusha. Donc, Haou Be'aron Ktiv. Peut-être le mot Migdash a fait allusion au Aaron Abrit. Que le Aaron Abrit, l'Arche Sainte par définition, Sainte Kadosh. Donc peut-être quand il y a marqué le Pasuk Ve'akanim nosé ha-migdash. Nosé ha-migdash, ça faisait allusion à Aaron et pas au Mishkan. Comme ça ne fait pas allusion au Mishkan, donc tu n'as pas une preuve ici que le Migdash, que le Mishkan peut s'appeler Migdash. Et là, il faudrait dire qu'on a pensé à un autre pasuk. Quel est l'autre pasuk? Ve'asuli Migdash, ve'shachanti betochan. Ve'shachanti betochan, mais comment ça c'était le pasuk ve'shachanti betochan qui nous apprend que plus tard, le Bet Amigdash s'appelle Mishkan, n'akhon? Et le début du pasuk, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vasuli Migdash. Et ça part dans le désert. Vasuli Migdash. Donc ça veut dire que le Mishkan dans le désert peut s'appeler aussi Migdash. Et comme il peut s'appeler aussi Migdash, donc on peut faire une extrapolation. Et de dire que la même façon que Petach Oel Moed, ça s'appelle un Petach, de la même façon, Petach Amigdash, ça s'appelle un Petach. Et qu'est-ce qui s'appelle Migdash? Alors la machloket Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que c'est le Echal, parce que c'est la plus grande Kedusha, ou c'est aussi le Oulam, parce que c'est la même Kedusha? Ou du Pasuk de Yechezkel, d'après Rabbi Yehuda. Jusqu'à là, on est d'accord? Très bien. Maintenant, sur ça, on a fini, a priori, les 20 Amot. Mais là, on va rentrer dans un deuxième problème. C'est que la largeur du Mavoy, qu'est-ce qu'on a dit? Esser Amot, d'accord? Est-ce que c'était la même chose dans le Mishkan? On l'en voit. Bach Lagmar demande ben le Rabbanan, ben le Rabbi Yehuda, l'ilafu mi petar shari chatser. Aussi bien d'après Rabbanan que d'après Rabbi Yehuda, la largeur du Mavoy, qui doit être, d'après la Mishnah, pas plus que 10 amot, on n'a qu'à la prendre du shari chatser. Parce que je vous rappelle, petit rappel, mamash pashut, que dans le Mishkan, il y a deux éléments, d'accord? Ça, c'est le chatser, ça, c'est la grande cour extérieure, et là, il y avait le Ohel Moed, d'accord? Et là, il y avait le Mizbeach. Là, il y avait le Mizbeach, d'accord? Donc, je ne sais pas si on voit bien, ça, c'était le Mishkan. Et là, il y avait ce qu'on appelle Petach et Chatser. Là, il y avait un Petach et Chatser. C'est-à-dire, donc, en vérité, dans le Mishkan, il y a deux Ptachim. Il y a ce Petach et Chatser et le Petach de Ohel Moed. Et le Mizbeach qui est à côté. Ken? Maintenant, on va parler de la largeur. Parce qu'elles sont plus petites. C'est la largeur de celles-là sont petites. C'est là on a déjà un problème.
Parce que le premier, on a vu qu'il a une largeur de 10, le Petach HaEchal, il n'a pas de problème, effectivement. Mais le Petach HaOlam, il a une largeur de 20. Largeur de 20. Il a une hauteur de 40, Petach HaOlam. Mais il a une largeur de 20. Donc au contraire, d'Afka du Petach HaOlam, je peux avoir une largeur beaucoup plus grande. Et a priori, si déjà tu parles d'une largeur aussi, et on apprend du Mishkan, le Mishkan, il a aussi une largeur ici, qu'on va la voir tout de suite. Elle est de combien? C'est-à-dire? Okay. Donc, la Gemara demande, je reprends donc, ben le Rabbanan, ben le Rabbi Yehuda, l'ilafu mi petach sha'ar echatser. On n'a qu'à apprendre du sha'ar echatser extérieur. Dirtiv, orer echatser mer. La longueur du chatser, elle est de 100, rappelez-vous, elle est de 100. Rochav echatser hamishim. Le rochav du chatser, il est de 50. C'est-à-dire, rochav vekomach hamesh amot. Et la hauteur des murailles, enfin des tentes, de la tente, elle est de 5 amot d'après cette définition-là. C'est-à-dire, elle est de 5 amot. Ça, c'est pour l'instant ce qui a marqué dans la Mishnah de Mishnayot Midot. Midot ou Tamid, un des deux. Ou Midot ou Tamid. D'accord? Qui nous donne là-bas les mesures du Mishkan. Vektiv, et c'est marqué, en plus, Chamesh esri amma kelaim la katef. Vektif la katef hachinit, mise ou mise, les char hachatser kelaim chamesh esre ama. C'est-à-dire que si maintenant je prends de nouveau ce mishkan-là, et je prends l'ouverture du hachatser, il y a marqué chamesh esre amot la katef. La katef, ça veut dire le côté. Ça veut dire que d'ici à là, il y a 15 amot. Mise ou mise, d'ici à là, il y a 15 amot. Et de là à là, il y a 50 amot. Donc 15 plus 15, ça fait 30. Ça veut dire que le chatser, il est large, le pétard chatser, il est large de 20. Donc, il est large de 20. Théoriquement, dans notre Mishnah, nous, il devrait être aussi large de 20. D'accord? Et ça devrait être même permis. Pourquoi on a dit faut 10? Pourquoi on nous a limité à 10? C'est là? Mais si tu veux définir qu'est-ce qui s'appelle un pétard, et qu'à cause de ça, tu veux, Chachamim, ils déduisent, et que pour leur référence, c'est ce qu'on voit dans le Mishkan. Alors, si c'est pour dans le Mishkan, c'est valable. Pourquoi ce serait pas valable pour nous aussi? D'autant plus que, il faut savoir que le Chatser du Mishkan, le Pétard du Mishkan, il est pas en ligne droite avec la muraille. Il est légèrement avancé. D'accord? Donc, comme s'il était à part, et après, tu rentrais sur les côtés pour rentrer dans le Mishkan. Mais l'ouverture ici, de là à là, elle était de 20 amot. Là, c'était une ouverture en match de 20 amot. La porte, elle était rien que légèrement, elle était avancée par rapport à la lignée du chatser. Donc, c'était une porte ouverte. Donc, on soit bien d'accord, c'est une porte ouverte. Donc, le chamesh esre amma, kelaim la katef, d'un côté, vektiv la katef hachéli, de l'autre côté aussi, mise, 15 à 15, les shara chatser, kelaim, chamesh esre amma, de l'autre côté. Ma le'alam, Chamesh berochav esrim, afkan chamesh berochav esrim. Alors, comme là-bas, c'était chamesh, c'est quoi chamesh? Une hauteur de 5 sur une largeur de 20. Sur une largeur de 20. Donc, à plus forte raison chez nous, une hauteur de 20 sur une largeur de 20. Si dans le Mishkan, qu'on a dit la hauteur du Mishkan, elle était de 5, la hauteur des Kelaïm, elle était de 5. Et on t'a permis une ouverture de 20 dans le Chatser. Chez nous, dans le cas du Mavoy, on t'a permis une hauteur de 20 par rapport au Echal. On peut te permettre aussi une ouverture de 20, comme dans le Chatser. À plus forte raison qu'on peut te permettre une ouverture. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une correspondance entre la hauteur et la largeur. On est d'accord? C'est ça que la Gemara demande. Hein? Mais on est dans la deuxième page d'Avbet, on est à peu près à la septième ou dixième ligne là-bas. Donc, Male Alan, Chamesh, Berochav, Esrim. De la même façon que dans le Chatser, une largeur, une hauteur de 5, une hauteur des Klaim, donc de toutes les tentures, elle était une hauteur de 5. Berochav, Esrim, avec une ouverture de 20, c'était valable. Afkan, Chamesh, Berochav, Esrim. Chamesh, ça ne veut pas dire qu'on m'impose une hauteur de 5. À plus forte raison que je pourrais permettre chez nous aussi une ouverture de 20. Réponse de la Gemara. Petach, Shear, Echatser, Ikre, Petach.
Petar Share Chatzer Ikre. Petar Stama lo Ikre. C'est comme ça qu'il faut lire. Petar Share Chatzer. Là-bas, on appelle Petar Shahar et Chatzer. L'ouverture du char du Chatzer. Mais Petar Stama lo Ikre. Stama Petar, ça ne s'appelle pas. Ça s'appelle un Petar du Char et Chatzer. Donc, c'est un din spécial pour le Char et Chatzer. Or, moi, je veux un din général de ceux qui s'appellent Petar. Comme il y a marqué, el moul o el moed, el petar o el moed, yakrivoto. Petar o el moed. Donc, c'est un petar général. Donc, petar stama, je ne peux pas l'apprendre là-bas, parce que là-bas, c'est petar shahar et chatzer. On précise bien quel type de petar. Ce n'est pas petar et chatzer. Si ça aurait été petar et chatzer, j'aurais entendu que tu veux dire que ça s'appelle un petar. Mais un petar du shahar du chatzer. Donc, là, c'est un din spécial. Petar stama, lo ikre. Donc, on n'a pas, c'est pas une kushia qu'on peut avoir là-bas. Viba et Tema. Si tu veux, je peux te donner une autre réponse. Kiktiv, Klaim Chamesh, Esre, Ama, la Katef, Begovhao. Si tu veux, je vais donner un autre pshat. Quand on a dit 15 amos d'un côté, 15 amos de l'autre, c'est pas en largeur, c'est en hauteur. Parce qu'en fin de compte, il y a une machloket dans Zevachim, entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda et Chachamim. Quelle était la hauteur des Kelaïm? Quelle était la hauteur des tentures? D'après Rabbi Yossi, la hauteur des tentures, elle était de 15 amot. Et d'après Rabbi Yehuda, la hauteur des tentures, elle était de 5 amot. Alors, si on dit comme ça, c'est un gamour, tu peux te permettre, puisque ce n'est pas écrit, mais fourrage, combien? Mais on a un problème avec le pasouk. Peut-être dans Midot, qu'est-ce qu'il y a marqué? 50 sur 100, sur une hauteur de 5. Donc, ça veut dire que l'étenture dans la Mishnah de Midot, elle est de 5. Comment tu peux oser de dire qu'elle est de 15 amot? D'accord? C'est ça, la Gemara va devoir nous résoudre. Ça veut dire que pour l'instant, on est parti dans la Mishnah de Midot que la hauteur d'étenture, elle est de 5. Donc, on a fait une extrapolation, d'accord? Et alors, maintenant, qui te dit que Bichlal, quand il y a marqué 15 d'un côté et 15 de l'autre, et donc ça veut dire qu'il y a 20 au milieu, ça part de la largeur du Petach et Chatzer. Peut-être ça part de la hauteur du Petach et Chatzer. Comment ça? Alors regardez. Iba etema, kiktiv kelaim chamesh esre ama. Quand t'as dit que Kavirchol et Tenture, la Katev, d'un côté, elle était large de 15 amot. Non. Begov haou, dirtiv. C'est en hauteur, elle était de 15 amot. Dirtiv, begov haou, dirtiv. Govha, c'est sa hauteur, ve'aktiv koma chamesh amot. Voici pourtant, il y a marqué dans Midot que la hauteur de la tenture, elle est de 5 amot. Comment tu peux oser de dire de 15? Ha'ou misfat ha-misbeach ulmala. Là-bas, c'est du bord de la fin du misbeach jusqu'à la hauteur. Qui veut dire quoi, la fin du misbeach jusqu'à ici, la hauteur? Voilà ici. Si vous regardez ici, au niveau du misbeach, d'accord? Du misbéach, les tentures elles sont de 15, le misbéach il est haut de 10, donc du haut du misbéach jusqu'à la fin des tentures il y a 5 amot. Et quand on te dit la hauteur elle est de 5, on émite kaven à partir du parterre du misbéach. Et pourquoi ça? Pour pas qu'on puisse voir le Kohen pendant qu'il travaille de l'extérieur. Tu veux voir le Kohen, rentre à l'intérieur du Mishkan pour voir le Kohen travailler, mais de l'extérieur tu ne peux pas le voir. Genre du style, je te vois de la hauteur, j'ai pas besoin d'y rentrer. Il y a comme ça, il y a pas de compromis. T'es obligé de venir à l'intérieur pour le voir travailler. Donc, d'après le Madamar qui disent que les hauteurs ils étaient de 15, donc quand on parle de 10, quand on parle de 5, c'est depuis la hauteur du Misbéar en question. Donc, Vehaou Misfat a Misbéar Ulmala. Maintenant, il faut savoir qu'il y a encore une autre DA que Rashi ramène. Que le misbéach n'était pas de 10, le misbéach était de 3 amot hauteur. 3 amot hauteur, et que la muraille, elle était toujours de 5. Mais alors comment? Alors ça veut dire qu'on devait voir le Kohen. De 3, de 5, c'est vrai, on voyait le Kohen, on voyait que la tête du Kohen, on voyait pas les mains du Kohen, parce qu'il y avait toujours 2 amot, donc à peu près 1 mètre, qui séparaient du parterre du misbéach jusqu'à la fin des tentures. Donc la tête du Kohen, on pouvait la voir, mais les mains du Kohen, pendant sa avoda, ça, on pouvait pas la voir. Ça, c'est un autre pshat que Kavirchol ramène Rashi. Mais Rabbi Yehuda, Mipitro shel Hulam Gamar. Et Rabbi Yehuda, on a dit que d'où il a appris qu'on peut faire jusqu'à 20 amot, plus que 20 amot de hauteur, parce qu'il a dû l'apprendre de Pitro shel Hulam, qu'il était haut de 40, d'accord?
Vehatnan, et voici pourtant c'est marqué, Varochav, Meeser Amot Yemaet, et voici pourtant dans la Mishnah Sinou, c'est marqué qu'en largeur, je reprends pas en hauteur, en largeur, le maximum d'ouverture qu'on peut avoir, c'est 10 Amot. Et a priori, Rabbi Houda n'est pas en machloket avec le Recha, avec le Dinsodin-là de la Mishnah. Or, s'il apprend du Oulam, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit dans le Oulam? Quelle était la largeur qu'il y avait dans le Oulam? Haut de 40 et large de 20. Donc, si tu apprends du Oulam à la hauteur, pourquoi tu apprends pas aussi du Oulam en la largeur? Et permets-moi aussi un pétard de 20. Et pourquoi dans la Mishnah, c'est pas marqué que Rabbi Houda, il est cholek sur Tana Kama? Enfin, il est cholek sur la Recha, je veux dire, sur Tana Kama. C'est ça que la Gemara demande. Voici pendant la Mishnah, on a dit que si c'est plus large que 10 amot, il faut retrécir l'ouverture. Velo pligé Rabbi Houda, et pourtant Rabbi Houda n'est pas cholèque sur ça. Or, si tu apprends du Oulam, tu peux permettre jusqu'à une ouverture de 20 amot. Alors pourquoi tu ne l'apprends pas? Amarabaye, pligé ma braïta, t'inquiète pas. Il y a une braïta qui, Kabirchol, nous montre que Rabbi Houda il est en machloket. Même sur la largeur, ça veut dire qu'il permet une largeur de plus que 10. Quelle est cette braïta là? Détania, ve'arachav me'eser amot yemaet. Ça c'est un akam, hein? De la braïta. Hein? Quand c'est large de eser amot, tu devras retrécir. Rabbi Houda omer enot sarich lema'et. Et Rabbi Houda il te dit justement, tu n'as pas besoin d'être me'ma'et. Donc tu vois que la braïta me'fourechet, pour Rabbi Houda, même plus que 10 amot, c'est quand même kasher. La Gemara demande, Veliflug bematnitin, pligé bego vavuadin berufa, veliflug, il aurait dû être machloket aussi dans la Mishnah, non? Alors, pligé bego vavuadin le rochva, il est machloket sur la hauteur, il est aussi en machloket sur la largeur. Veakte, attends, la Gemara dit attends, et pourtant encore, Rabbi Houda mipitro sheloulam gama. Alors, tu veux me dire toujours qu'il apprend ça depuis trop chez l'Oulam? Ben, Atania, et voici pourtant une autre braïta. Ma voix, chou, gavoua, mais sri, mama, yemaet. Et ma voix qui est au-devant à mot, c'est une braïta, hein, tu dois diminuer. Ben, Rabbi Houda, marchir, ad, arbaïm, ve, chamishim, jusqu'à 40 ou 50. Or, comment nous on a appris depuis trop chez l'Oulam? Or, la hauteur depuis trop chez l'Oulam, elle est au maximum, depuis trop chez l'Oulam, elle est de, Oulam, pas du Echal, de 40. Là, comment tu peux me dire 50? Comment tu peux me proposer 50, Bichlal? Ou 40 ou 50? Alors, 20, on abaisse. D'accord? 20, on abaisse, ça c'est Chachamim. Rabbi Houda, il te permet même plus que 20. Et quand il y a marqué dans la Braïta, il te permet plus que 20, il y a marqué dans la Braïta, je précise, Ad Arbaïm, Ve'ad Chamishim. Chamishim. Donc, Arbaïm, je peux entendre. C'est le pitro de Oulam. Mais Chamishim, d'où tu me l'as sorti? D'accord? Donc, ad arbaïm, ve chamishim ama, ve tane bar karpara, et là-dessus, bar karpara disait sur Rabbi Houda, ad mea, même jusqu'à 100 tu peux. Pour Rabbi Houda, tu peux faire monter même jusqu'à 100 de hauteur. Alors, bish lama le bar karpara gouzma, d'après bar karpara, c'est une exagération. D'accord? Quand on a dit 20 amot, bon, on n'a pas vu d'ouverture qui sont au-dessus de 20 amot, et en plus, minastam, c'est une façon de parler beaucoup. Et là, les Rabbi Houda, Maï Gouzma. Mais pour Rabbi Houda, quel Gouzma il y a? Parce qu'il a bien dit ou 40 ou 50. Donc il nous a donné une fourchette où je peux jusqu'à un maximum y arriver. Quand il me dit même jusqu'à 100, ok, là tu exagères, tu donnes un chiffre. Et quand tu me dis ou 40 ou 50, c'est que tu me donnes une fourchette possible. Alors ça, c'est beaucoup plus précis. Alors, Bishlama, alors, et là, les Rabbi Houda, Maï Gouzma. Alors, Bishlama, les Rabbi Houda, Arbaïm. Les 40, qu'a dit Rabbi Houda, je les comprends. Gamar, mais plus trop chez l'Oulam. On apprend ça depuis trop chez l'Oulam que sa largeur, sa hauteur, elle est de 40. Et là, Chamishim Menale. Et là, Chamishim, d'où il a sorti ce 50-là dans la Braïta? D'où est sorti ce 50? Amara Frisda, Hamat Nita et Ate l'Erav. Cette Braïta-là, c'est une Braïta qu'on va voir tout de suite, elle a trompé Rav. Quand on vient, on a dit 40 et 50. En vérité, 50, c'est sorti par erreur. Mais en fin de compte, il a jamais dit 50. C'est rien que parce qu'on a mal compris une braïta. Quelle braïta? Détania. Mavoy shu gavoa meesri mama, yoter mi pitro, chez l'échal. Mavoy, qui est plus haut que 20 amot, plus grand que pitro chez l'échal, yemaet.
Yemaet. Alors, où ça va? Il pensait, mi de Rabbanan, mi pitro shel echal gamar. Que de Rabbanan, il apprend de pitro shel echal. Donc, Rabbi Houda, mi pitro shel ulam gamar. Et qu'il a compris de là que Rabbi Houda, il apprend de pitro shel echal. C'est pour ça qu'il t'a dit jusqu'à 40. Mais, veulohi, mais c'est faux. Rabbi Houda, mi pitra de melachim gamar. De la braïta, puisque Rabbanan, ils ont amené là, dans la braïta, pitro shel ulam, shel echal. Donc, Rav, quand il nous a dit, vous rappellerez dans la Gemara là-bas, il nous a dit tout à l'heure que Rabbi Houda, il apprend depuis trop chez l'Oulam. Comment il est arrivé à l'idée que Rabbi Houda, il apprend depuis trop chez l'Oulam? Parce que Rabbanan, dans la Braïta, il a dit Mefourash, Pitro, Shel, Echal. Comme il a dit Pitro, Shel, Echal. Donc, il s'est dit, si Rabbi Houda, il me dit plus que 20, c'est que lui, il se base sur Pitro, Shel, l'Oulam. Mais en vérité, c'est faux. Rabbi Houda ne se base pas sur Pitro, Shel, l'Oulam. Et là, chez Pitro Shel Melachim. Lui, Gamar, lui, il apprend ça de Pitro Shel Melachim. Et Pitro Shel Melachim, tu peux l'avoir plus haut que 40, plus haut que 50. C'est pour ça que dans la Braïta, il y a marqué 40-50. Si effectivement tu pensais comme Rav qu'on apprend de Pitro Shel Ulam, tu as raison, Kushia, pourquoi tu m'as dit 50. Mais si le Makor de Rabbi Houda n'est pas le Pitro Shel Ulam, et là le Pitro de Melachim, alors tu peux trouver plus que 40, 50, c'est-à-dire tu peux trouver d'autres sources qui vont nous donner les mesures qui est du pétard. Donc on a pas comme Rabbi il a dit que les deux ils apprennent du Bétamigdash, et la Chachamim ils apprennent du Bétamigdash, et Rabbi Houda il apprend de Pitro Shel Melachim. Maintenant qu'on a terminé avec Rabbi Houda, et avec cette Braïta là qui nous dit 40, 50, on revient à Rabbanan. Les Rabbanan, Imi Pitro Shel Echal Gamire. Si on apprend ça de Pitro Shel Echal, vous vous rappelez qu'est-ce que vous avez dit qu'un Pitro Shel Echal? Je vous ai fait ici un petit dessin, je vous dis que dans Pitro Shel Echal, qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a ici des portes, Nachon. Alors peut-être s'il y a des portes, il faudrait mettre des portes aussi dans le Mavoï. Pourquoi tu... Puisque si tu apprends, apprends comme il faut. Donc même dans le Mavoï, il faudrait mettre des portes. Alors la Gemara demande. Dans le Oulam, il n'y a pas de porte. Mais dans le Echal, il y en a, puisqu'on a dit que les Shlamim, ils seront psoulim si les portes ne sont pas ouvertes. Donc il y a des portes dans le Echal, n'oublie pas. De la Mishnah, elle n'a pas besoin de porte. D'après Rabbanan, d'après Rabbi Houda qui apprend depuis trop chez Melachim, là, j'en ai pas besoin. Mais d'après Rabbi Drachamim qui apprend depuis trop chez l'Echal, il faut aussi des portes à ce moment-là. Pourquoi on ne demande pas des portes? Les Echagav, à Soroski, ils mettent des portes. Hein. Vous allez dans la rue, si vous entrez dans la rue, même Gimel, non, ils sont ouvertes, mais en vérité, vous verrez qu'il y a des portes sur les côtés qui sont effrayées pour fermer. Ils ferment Shabbat, ceux-là, tu crois? Dans Soroskin, il y a un Tsurat à pétard, plus des portes. Soroskin, il y a même David, il y a même Guimel. En Roméma. Vous verrez qu'il y a des portes sur les côtés. Aussi. Donc, continuons. Alors, Verabanan, il y a Pitro Shel Chagemir, il y a Biot de la Tot. Donc, il a besoin de la Chot Kaïcha Gamdolechal. Al-Matnan, pourquoi c'est marqué dans une Mishnah qu'on a déjà appris? Mercher Mavoy, Bet Shamay Omrim, Lechi Vekora. Bet Shamay te demande, et Lechi et Kora, sans porte. Bet Hillel Omrim, Lechi ou Kora, ou l'un ou l'autre. Et Rabbi Eliezer, il demande, Shtel Echayim. Ça, il ne s'est pas marqué ici. On l'a déjà appris, ça, si vous vous rappelez dans le Shabbat. Donc, on voit qu'on n'a pas besoin de porte. Réponse de la Mishnah. Echal Letzniut Be'al Mahud Avidan. Là-bas, ce n'est pas des portes avec des fonctions. C'est des portes uniquement pour l'atzniut du Kodesh. Ou pas que ça soit à la portée de vue de tout le monde. Mais ça ne joue pas un rôle de porte pour garder. Donc, par conséquent, ce sont des portes virtuelles. Ce sont des portes. Mais pas des portes en fonction de portes. C'est pour ça que tu ne peux pas demander qu'il y ait des portes aussi dans le Mavoï. Parce que c'est vrai que les Meshoum tzniut. C'est pas. Hein? Oui! Mais le but de cette porte, c'est en tant que porte ou en tant que tzniout? Alors, il n'y a rien à mettre. Donc, tu aurais pu mettre aussi un vilain, tu aurais pu mettre aussi autre chose. Alors, ça aurait été moins beau, ça aurait été moins bien, parce que ça aurait bougé avec le vent et tout ça. Donc, on t'a mis des portes pour le bottom, pas pour éviter les voleurs ou éviter que les gens y rentrent. C'est pas midinze. C'est rien que pour que ça ne soit pas donné aux gens de regarder tout le temps la menorah, le shulchan, le misbéar, voir la parochet, que les gens n'ont pas l'habitude comme ça continuellement de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, mais attends, hein, si c'est comme ça, alors ok, on a fini, on a plus ou moins compris, Rabbanan, ils ont pris du Echal, Rabbi Houda, il a pris de Melachim, d'après une certaine Svara, d'après Rav, il a pris du Oulam,
Très bien, ok. Tout ça, on a résolu. Et là, Me'ata, si c'est comme ça, on revient à la Mishnah. Lo tene le tzurat apetach. Que la tzurat apetach ne nous sert pas. Vous vous rappelez qu'on a appris dans la Mishnah que tzurat apetach, quand on a une tzurat apetach, poteau et un fil au-dessus, que même plus que 10 diamants, c'est aussi kasher. Nachon. La Gemara demande. Alors, à ce moment-là, que tzurat apetach ne sert pas. Et là, Me'ata, lo tene le tzurat apetach. Pourquoi? Dea echal tzurat apetach hava. Dans le Echal, il y avait deux mezuzot et un linteau. Donc, il y a une tzurat à pétard. Et quand même, qu'est-ce qu'on voit? Que la largeur de la porte du Echal, elle était de combien? Rappelez-vous? Pas du Oulam. Elle était de... Non, ça, c'est le Oulam. Ça, c'est le Oulam. La porte du Echal, elle était de 10. D'accord? 10 avec tzurat à pétard. Donc, peut-être tzurat à pétard ne sera valable que pour une largeur de 10. Pas plus que ça. C'est ça que la Gemara demande. Donc, et la tzurat apetach, tzurat apetach avielo, afilo achi, eser amot ave, de rebach, malgré tout, il y avait une largeur, pas plus que 10 amot. Alma, nan, comment c'est possible, c'est marqué dans notre Mishnah, im yesh lo tzurat apetach afilo sheracha, mais eser amot enot tzarich lemaet. Que s'il y a une tzurat apetach dans notre Mishnah, c'est marqué qu'on n'a pas besoin d'être memaet si c'est plus large que 10. Midehu ta'ama. Tout ça, tout ce qu'on a dit qu'il faut, on a besoin d'être mémaët, pas mémaët, ça c'est dingue d'après Rav, les Rav. Hamatnela Rav Yehuda. Mais qui est-ce qui enseigne ça? C'est Rav Yehuda. Non. Matnela Rav Yehuda Lechia. C'est que Rav Yehuda, il avait enseigné ça à Chia bar Rav, Kame de Rav devant Rav. Il lui avait dit Eno tsarich le maet. Et c'est Rabbi Rav qui avait dit Eno tsarich le maet. Va marle atnaye tsarich le maet. Et Rav lui a répondu Kaviachol, que dans la Mishnah c'est marqué tsarich le maet. Ça veut dire que même dans Tzurat HaPetach, le Chaora tsarich le maet pourra. Donc ça va d'après la Svara, que d'après Rav, même Tzurat HaPetach, il faut être le maet. Et donc, il n'y a plus de kushia du Echal, puisqu'on apprend, d'après Chachamim, du Echal. C'est rien que Rav qui a demandé que ce soit Mema'et. Non, Rav, on avait dû dire d'après Rav, du Oulam. D'après Rav, on avait dit du Oulam. Et d'après Rav Chedavris, de Rav Chalafta, on avait dit de Petach Melachim. Les portes de tous les Melachim, des royaumes, tout ça, ils ont des portes qui sont là. Jour du Chafetz Chaim. Ah, autant vous l'avez fait le 145, non?